célestes, il faut que des aigles aient. Dans les eaux terpures, là loin dans la révélation, il faut que des aigles aient. Car ces oiseaux ont une vision spéciale. Et même, ce sont des gros oiseaux très spéciaux. Et leurs visions sont connectées à la fréquence. C'est qui les permet de voir Jésus ressuscité. C'est qui les permet de voir la parole incarnée. Ils sont capables d'écouter la voix des dieux. Oh, je vais m'envoler, je vais m'envoler plus haut. Oh, je vais m'envoler, je vais m'envoler plus haut. Oh, je vais m'envoler, quitter la basse cour plus haut. Aïe, 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 aïe. Je vais m'envoler, je vais m'envoler plus haut. Et la fréquence aujourd'hui, c'est dans Malachi 4. La fréquence du soir, c'est dans Malachi 4. Oh, essaie de monter un peu, tu verras le Saint-Esprit. Ah, essaie de monter encore, tu verras la colonne de feu. Oh, bon quand tes ailes, tu verras cette nuée. Oh, et si tu tournes à droite, tu verras Jésus lui-même. Oh, essaie de monter plus loin, tu verras Dieu dans la peau. Oh, le Seigneur de gloire, tu verras le Seigneur de gloire. Ah, ces oiseaux-là, ils mangent pas la nourriture du passé. Oh, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Oh, je vais m'envoler, je vais m'envoler plus haut. Oh, je vais m'envoler, je vais m'envoler plus haut. Oh, je vais m'envoler, quitter la basse cour. Oh, aïe, 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 aïe. Je vais m'envoler plus haut. Et comme un aigle, je veux m'envoler. Comme un aigle, je veux m'envoler. Monter dans les hauteurs, je veux m'envoler. Vivre ta parole, je veux m'envoler. Oh, manger des bouches en bouche. Je veux m'envoler. Oh, comme un aigle, je veux m'envoler. Si tu prends un faucon ou encore un corbeau, tu montes avec lui là loin où il y a deux aigles. Oh, cet être naturel finira par exploser. Oh, car il n'est pas fait pour des hauteurs élevées. Oh, mais si tu prends un aigle et tu le rabaisses en bas, oh, sa vision sera floue, il voudra toujours monter. Oh, il voudra monter avec l'aide d'un prophète. Ah, il voudra monter là comme un astronaute. Oh, il voudra monter là-haut sur le rocher. Oh, là où Christ révèle sa face cachée. Oh, car ces oiseaux ont une vision spéciale. Alléluia, ce sont des drôles d'oiseaux très spéciaux. Et leurs visions sont connectées à la fréquence. C'est qui les permet de voir Jésus ressuscité. Oh, c'est qui les permet de voir la parole incarnée. Oh, ils sont capables d'écouter la voix de Dieu. Oh, je vais m'envoler, je vais m'envoler plus haut. Et je vais m'envoler, pasteur, emmène-moi plus haut. Oh, je vais m'envoler, quitter la basse cour plus haut. Aïe, 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 aïe. Je vais m'envoler, je vais m'envoler plus haut. Nous étions tous des aiglons perdus dans des poulaillers. Oh, la mère aigle a crié de sortir du milieu d'elle. Oh, et quand on s'est demandé, maman, comment on va monter. Oh, elle nous a dit, battez vos ailes,
qui serait justifié. Oh, elle nous a dit battez-les encore, vous serez sanctifié. Elle nous a dit battez-les plus fort, vous aurez le Saint-Esprit. Oh, elle nous a dit battez-les encore, vous serez même adopté. Oh, et la mère aigle nourrit toujours ses petits. Oh, des bouches à bouche pour éviter tout mélange. Des bouches à bouche pour éviter les credos. Oh, et la bouche de la parole, c'est les prophètes de l'heure. La voix de Dieu ce soir, c'est William Branham. Il nous a donné cette manne cachée. Ha! Il nous a donné de ses glorieux messages. Oh, il nous a donné la nourriture cachée. Oh, nos âmes se réjouissent et crient amen. Oh, je vais m'envoler, je vais m'envoler plus haut. Oh, je vais m'envoler, je vais m'envoler plus haut. Oh, je vais m'envoler, quitter la vaste.